Le 2 décembre 2023, le public de Brest a été bien déçu en apprenant que Michel Sardou annulait son concert. Mais le chanteur avait une excellente raison de s'isoler. Il était atteint de la Covid-19. Il nous a fait une sacrée frayeur. Le 2 décembre 2023, alors que les Brestois s'apprêtaient à vivre un joli moment de musique, la nouvelle est tombée. Michel Sardou a été obligé d'annuler 3 concerts et son équipe a dû prendre la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer cette soudaine absence. Il était alors précisé qu'il espérait retrouver son public à Genève, en Suisse, le 8 décembre. Sans aucune assurance. La raison? L'artiste, 76 ans, avait été testé positif à la Covid-19 et il s'est retrouvé dans une posture délicate pendant plusieurs jours. La pandémie de Covid-19 est de retour, tout semble aller mieux pour Michel Sardou. Alors que les fans tremblaient à l'idée qu'il annule encore d'autres représentations, le chanteur a pris la parole, le vendredi 8 décembre 2023, dans les colonnes du Télégramme. J'ai eu un Covid très fort, assure-t-il. J'ai l'impression qu'il y a une évolution, il doit y avoir un variant ou je ne sais quoi. J'étais complètement KO, à ne pas pouvoir marcher. J'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri. Et finalement, je l'ai dans le sac comme tout le monde. On tremble, on ne peut plus marcher. Si est une horreur. Michel Sardou obligé de se rendre aux urgences. La pandémie de Covid-19 est certes plus discrète depuis quelque temps, mais la voilà qui revient plus forte en cette saison hivernale. Malheureusement, Michel Sardou a été fauché en plein élan et il a dû se rendre aux urgences afin d'être pris en charge. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens partout. Ils m'ont donné des médicaments. Des trucs qui vous foutent par terre, précise l'époux d'Anne-Marie Perrier. Que les détenteurs d'un ticket pour son concert à Genève se rassurent, toutefois, il a bel et bien prévu de chanter le 8 décembre 2023 en Suisse. Je vais voir comment ça se passe. Normalement, la voix est là. Est-ce que je pourrais danser ? Mais ça, je ne l'ai pas fait souvent, donc ce n'est pas grave. Je vais voir comment je me comporte. Ouf.